Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour réservé aux membres premium forcément cette semaine. Vous allez voir, un tour vraiment très simple à faire, c'est du tour automatique en réalité. Totalement impromptu, il suffira d'emprunter un jeu de cartes à votre spectateur, il pourra même le mélanger, vous serez prêt à faire le tour immédiatement, hein, sans aucune préparation. C'est le genre de tour difficile à remonter, on va pas se le cacher. Le genre de tour forcément à faire aux magiciens. Hein. Donc comme d'habitude, vous faites la démonstration et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative directement dans la description de cette vidéo. Et pour les autres, je vous laisse juste le plaisir de voir la démonstration. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, et également mon école de magie en ligne, tutomagie.com. Vous êtes déjà nombreux à avoir souscrit à l'accès à vie. N'oubliez pas que vous avez jusqu'à la fin du mois pour bénéficier de l'offre à 4,99€ pour avoir accès à l'intégralité de l'école de magie. Après, ça passera à 9,99€. Ça restera néanmoins un prix dérisoire par rapport à tout le contenu qu'offre le site, hein, tout simplement. En tout cas, merci à tous ceux qui ont passé le cap, hein, qui m'ont soutenu sur ce projet et qui continue à le faire. Et sur ce, je vous laisse avec la démo. C'est parti pour la démo avec un jeu de cartes. On a ici un jeu de cartes Phoenix à dos bleu, très joli. Alors pour ce faire, le jeu, on pourrait le mélanger, le faire mélanger par le spectateur. Et ouvertement, on va sortir une suite de cartes de l'As au 9, peu importe la famille. Donc là, je vais prendre un premier As. Ils sont, voilà, As 1, 1, 2, 1, 3. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ça, on le fait ouvertement devant le spectateur. Mais ensuite, ces cartes, on les mélange histoire que le spectateur ne puisse pas connaître l'ordre. Et moi, d'ailleurs, l'idée, c'est que je vais faire un petit arrangement. On va faire comme ça. On va les placer comme ceci. Tac, tac, tac. On va mettre celui-là ici. Ça, comme ça, ça. Tac, tac et tac. Voilà, c'est très bien. Voilà, on va placer les cartes comme ça, dans cet ordre précis. Donc, seul le magicien connaît l'ordre. Vous, vous ne pouvez pas connaître. Et l'idée est la suivante, c'est demander au spectateur de toucher la carte de son choix, n'importe laquelle parmi les 9 cartes présentes sur la table. Donc vraiment, il n'y a pas de choix équivoque, il touche la carte de son choix. Imaginons qu'il touche celle-ci. Donc on va séparer le paquet comme ceci. Et donc la carte qu'il a touchée, forcément, se retrouve en dessous. On verra tout à l'heure, je la laisse bien en vue ici. Le reste des cartes, sans les regarder, on les pose par-dessus. On tend le jeu au spectateur pour qu'il puisse mélanger le tout. Et ensuite, on lui demande de couper le jeu en 2 paquets, comme ceci. Donc là, c'est lui qui fait tout, hein. Vraiment, c'est le hasard de sa coupe qui va déterminer le nombre de cartes dans chacun des paquets. De là, on l'invite justement à compter le nombre de cartes qui se trouvent dans chacun des paquets. Donc, il fait ouvertement comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pour s'en souvenir, on va prendre un 2 et un 3 si on en a dedans pour... voilà, ça sera un moyen mnémotechnique comme ceci. Donc, 2 et 3. Donc, ce paquet, il y aura bien 23 cartes. Et dans celui-ci... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc pareil, on va prendre si on a bien les cartes qu'il faut. Un 2 et un 4. Est-ce qu'on a un 4 non, bon, on se souvient que c'est 24, 23 et 24. Alors l'idée, ça va être, vous allez me dire à quoi ça rime de faire tout ça. On va essayer de récupérer un chiffre unique. Donc là, on a des nombres, on va vouloir avoir un chiffre. Pour ce faire, on va additionner, on va décomposer les nombres. Donc ici, par exemple, 2 et 3, on va les additionner. Donc 2 et 3, ça fait 5. Et là, 2 et 4, ça fait 6. Donc les deux ensemble, 5 plus 6, on les additionne, ça fait 11. On n'a toujours pas un chiffre, on a un nombre. Hein. 11, c'est un nombre. On décompose 11. 1 plus 1, ça fait 2. Et du coup, maintenant, on a un chiffre qui est le 2. Donc après avoir fait tout ça, le hasard, les couples, les mélanges, etc., on obtient un chiffre unique qui est le 2, et ce 2, ça serait fort que par rapport à la carte préalablement touchée par le spectateur, ça soit exactement la carte qu'il a touchée, un 2, ça correspond parfaitement sur tout, et là c'est un vrai miracle d'incompréhension. Le spectateur, pour lui, il a tout fait, il a touché la carte de son choix, il a coupé le nombre de cartes qu'il a voulu, il a mélangé les cartes, et pourtant à la fin, on a une correspondance entre le chiffre unique obtenu et la valeur de la carte choisie.